j'aurais bien aimé faire un film sur vous, mais vous détestez les caméras. Ah, très bien. Non? Bah, j'ai pas l'habitude de ça. Mais... Vous n'aimez pas la télévision? Oh, je n'aime pas les... Je n'aime pas tellement m'exhiber, quoi. Je suis, au fond, je suis très nature. Le ministre de la Culture du Gabon, non, Congo, du Congo. Congo. Monsieur Delanoé. Saint Martin. Monsieur Aboudjouf, le grand et le petit. Qui est ce petit homme qui fuit les médias ? Mais que tous les grands de ce monde viennent saluer sur son île de la Martinique. À la fois poète, écrivain, homme politique, Aimé Césaire est avant tout un pionnier qui a eu le courage de défendre fièrement sa couleur noire et marquer ainsi de son empreinte le XXe siècle. Voilà, il reste des pages à écrire. Ardent défenseur des valeurs de gauche, Césaire se définit comme un socialiste conséquent. Ce qui signifie pour lui rester en permanence à l'écoute de son peuple. Mademoiselle Zitré, voyez un petit peu son cas là. Hein, si c'est pour Joseph, que je me permets de construire, envoyez à Joseph. C'est pour monsieur Siédil. Monsieur qui? Siédil. Aujourd'hui, âgé de plus de 90 ans, Aimé Césaire continue de recevoir chaque matin dans son bureau de l'ancienne mairie de Fort-de-France les personnalités du monde entier, mais aussi et surtout les simples habitants de la Martinique.